Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on est parti pour la vidéo que j'ai peur de règles, j'ai très très peur de règles, je suis pas bien. Ça va être un moment de kiff mais qui peut tourner au cauchemar. On arrive enfin à la fin du projet 30 tentatives, 2 voire 3% plus PO Invo. J'ai peur, vraiment j'ai peur. Alors quelque chose que je peux vous préciser direct, n'allez pas dans les commentaires, évitez le spoil hein, comme pour toutes les vidéos EXO ou FM, hein, c'est le mieux à faire, hein. Évitez de se faire spoil aujourd'hui, je pense que ça serait assez cool. D'ailleurs aussi, quelque chose, n'hésitez pas à liker, hein. Le projet a pris beaucoup de temps. Je pense que je l'ai fait au pire moment, genre au moment où la FM est cassée, au moment où il n'y a plus rien qui passe. Alors peut-être qu'ils ont fixé un truc hier mardi, ça passe un peu mieux, je sais pas. Mais bref, on est pas mal à se dire ça et tout, donc c'était un peu la paranoïa, les lives de 3 heures pour valider 1-2%, bref. Du coup, bah, les amis, les items, ils sont là, il y en a plein différents, il y a quelques doublons, voire triple, là, il y a 3 menotures, mais sinon voilà, on a à peu près de tout. On a des 2% sur les items, style amulette cœur saignant, voilà, c'est assez cool. En 3%, là, j'essaie de les revendre. Et puis, on a des 3% sur les items qui valent pas grand-chose en 3%, comme ce masque de Cthulhu. On a juste au-dessus les palmes tritons, on a des botistiques aussi, voilà. On a de très belles choses, les gars, et du coup, ben, j'espère qu'on va être récompensé pour tout ce travail. Sinon, je sens que j'ai pas kiffé. On a du très très lourd, on va vraiment prendre notre temps. Et je pense bah, qu'il va être l'heure de se lancer. On va commencer par le costumage. Vraiment, je prends mon temps. Je vous le dis, les gars, on va saliver chaque jet. On va regarder, on va se dire, ok, ça c'est cool. Alors là, on a 9 tentatives pour le costumage. Alors, il y a des items, forcément, les gars, on va pas se le cacher, qui feraient un peu moins plaisir que d'autres. Comme par exemple, cette cape solution. Ça serait pas le best à passer, on va être très honnête. Mais bon, hein, l'objectif déjà, ça serait d'en valider un. Je vous avoue qu'avec un, je serais pas du tout rentable. Ça dépend après lequel, on sait jamais. Mais voilà, l'idée au fond de moi, ça serait d'en avoir 2. Maintenant, je sais que ça sera très très dur même d'en avoir un, donc on est parti. Allez, on commence avec cette cape solution. Il manque 6 vitalités, tout simplement. La prospect, évidemment, on s'en fout. Donc, c'est que des jets near perf, évidemment, donc où on max les stats, etc. Allez, la première tenta, elle est là. C'est la cape solution qui ne passe pas. D'accord, pas de problème, comme je le disais, c'est pas le meilleur item. Une cape de Jourdain, là ça serait beaucoup plus intéressant déjà, 2% feu, voilà, 3% là-dessus j'aurais vendu, hein. C'est quand même quelque chose, un item qui pourrait se vendre assez bien en 3%. Donc là, bah, encore une fois, un très beau jet, il manque 3 de Vita, 1 de Sagesse, le reste est parfait. C'est pour une Tenta Invo, vu qu'il y a déjà les PO, on est parti. Deuxième tenta qui échec. Pas de problème, pas de problème. On enchaîne avec un petit masque de Cthulhu. Donc vous voyez, il y en a un autre qui est en 3%. Lui est en 2. Avec un de sagesse seulement en moins. C'est assez facile ça, FM. Donc on part là-dessus pour un PO. On est parti. J'ai perf moins un sagesse. Ça ne passe pas. Ok. J'en profite pour remercier Fromage qui m'a beaucoup aidé. J'aurais beaucoup aimé Dark Seola avec Mini. Problème, c'est que Frofro, il est. Niveau micro, c'est assez compliqué. Et Mini, bah, après, pour choper les deux en même temps, c'est assez compliqué. Mais on essaiera de faire des trucs ensemble encore. Mais gros, gros merci à Fromage qui m'a beaucoup aidé pour ce projet qui a pris beaucoup de temps. Encore une fois. La cape de Jourdain. Il manque 1 d'intelligence, 1 de sagesse et 5 de vita. Cette fois-ci, encore un 2% pour aller tenter une petite invo. C'est parti. Ça ne passe pas. Quatrième tenta, on en a 30, on a encore le temps, mais faudrait, voilà, j'aimerais tellement, faudrait qu'il y en ait un qui passe vite. Vous voyez, comme ça, on se dit, ok, c'est bon, on a au moins validé ça, et puis si on peut avoir le deuxième un petit peu après, ça serait cool. Là-dessus, le deuxième masque couteau, un peu plus intéressant, du coup, avec un de vita en moins, un de sagesse en moins, mais cette fois-ci 3% terre, donc ça serait quand même clean de pouvoir passer un PO là-dessus. C'est un des, je pense qu'il y en a limite une dizaine, hein, de 3%. Donc là-dessus, encore une fois, un PO, ça ne passe pas. Bien, la capologie, donc item très intéressant là aussi, ça c'est un des items que j'aimerais le plus voir passer, qui coûterait assez cher en 2%, en 4 de vita, 4 de force, en 18 dos évidemment, très joli, on est parti pour ce PO en plus des 2% terre. Non, d'accord, on continue avec une cape solution, encore une fois la deuxième, il y en aura une à 3%, celle-ci est totalement GPF, il manque la prospect encore une fois, mais on s'en fout, 350 vita, 80 chances, 40 sagesse, on est parti, 2% haut, plus peut-être le PO, non, ok. Bon, en tout cas, c'est quand même un kiff, hein. Je vais pas vous le cacher, faire ces tentas-là, même si à la fin, il n'y a rien, c'est un gros kiff, et c'est pour vous. Hein. Je le rappelle, c'est pas du tout pour faire des camas, c'est vraiment pour le spectacle. Le pestacle, j'ai tellement l'habitude de troll en disant pestacle. C'est pour le spectacle, et du coup, j'espère que vous kiffez en même temps que moi. Du coup, un omoplate, il n'y en aura qu'un seul, j'ai pas mal tenté, j'avais beaucoup galéré à en valider. Du coup, là-dessus, 6 vita en moins, 2 de sagesse, 2 d'un tel en moins. Voilà, ça reste très clean pour... une invocation, 2% feu, c'est le premier, c'est le seul 2% invo que j'ai passé. C'était sur la toute première vidéo, FMXO% avec les 50 items à l'époque.
ça ne passera pas. Pas de deuxième omoplate. On va terminer le costume déjà avec la 9ème Fanta sur une capsule. Cette fois-ci, elle est en 3%. Du coup, il manque 1 de chance, 2 de sagesse et 4 de vita. On a même la prospect un peu plus haute. Attention, les amis, dernière Tanta. Costumage, ça ne passe pas. Bon, on est déjà en 9 échecs. Allez, on va continuer avec un... Cordeau ou joyau, les gars? Allez, cordeau. Ok, alors cordeau, on a du très lourd et on a d'ailleurs pas mal de Tanta. On en a 13. 13 Tanta, donc il restera pas grand-chose sur le joyau. Donc là, ça pourrait être le moment d'espérer passer quelque chose. On a des bottinos, les gars, du turfu, tout simplement. Regardez celle-là, alors surtout celle-là, faite par Frofro en 160, il manque 8 vita. Celle-là, voilà, c'est sympa. Bon, les 3 sont sympas, hein. C'est tout en 2%, on valide évidemment les 3% pour la revente. Donc 2% PO pour les Bottino, il manque 9 de vita, 5 d'intel sur celle-là, c'est pas la plus belle, mais elle est déjà très jolie avec le 60 sagesse qui fait rêver, on va pas se le cacher. Donc on va commencer par celle-là, les gars. Allez, 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 allez. Ça ne passe pas. Ok, j'hésite à enchaîner direct sur les Inno. Allez, on va le faire. On va le faire directement. Regardez celle-là. 160. Il manque 8 vita, tout simplement. C'est trop joli. Avec le PO, les 2% feu. Non. Oh, allez, je vois cette ligne en plus, les gars. Ici, on a une ceinture urgence. Alors, ceinture urgence, il manque un dopou. Après, c'est plus forcément joué pour les modes dopou. Donc, bon, c'est quand même dommage qu'il n'y ait pas le 25 dopou qui ferait quand même bien joli sur l'item. Il y en a une autre, justement, où il y a le 25 dopou. Voilà, celle-là serait un peu plus cool. Mais bon, voilà, c'est quand même un 2%. C'est dur à aller chercher et tout. Et sur, voilà, le G qui est quand même joli, 24 dopou, c'est pas très grave. PO, 2% terre, c'est maintenant... Non, ce n'est pas maintenant. On va du coup enchaîner directement sur la dernière, les dernières bottes innommables. Cette fois-ci, il manque 8 vita, 5 de sagesse. Peut-être la moins belle des bottes inno, mais il y a le 100 d'intel qui fait joli pour le PO. Non. Allez, s'il vous plaît, mon premier item. Les palmes tritons ici, c'est du 3%, donc je l'avais montré tout à l'heure. 3%, c'est un item qui coûte pas cher. Il manque 5 agiles quand même, dommage. Le G n'est pas insane non plus. Mais là-dessus, je me demande d'ailleurs, invo ou PO, les gars? Je pense qu'on va partir sur l'invo plutôt. Voili voilou. Donc un vo, il manque 5 d'agi, 2 de sagesse. Ça ne passe pas, il n'y a plus rien. Saint GPF, waouh, on va rien tenter. Là, si je tente un truc que ça passe, je vais pas kiffer. Donc clairement, on va la laisser. On continue sur les botistiques. Du coup, botistiques, malheureusement, je le disais, item plus très utilisé. Donc quand même très très beau en 3%. Donc ça serait assez classe. On en aura une deuxième juste après. Donc on est parti, il manque 2 de force, 2 de sagesse, 2 de vitalité seulement. Le soin par contre c'est négligé, hein. C'est plus dans l'optique de bot pour perso terre. Ça ne passe pas en un puits, on va pas chercher à l'exploiter. J'ai pas pris les runes pour et c'est pas grave. On va continuer avec les patons. On reste full les gars, full temps tapé au invo. On perd pas de temps sur autre chose. Des très belles patos gastriques, encore une fois, 2 de vita en moins, 1 de sagesse, 1 de chance seulement. Le reste en 12 dos, c'est perf, c'est très joli. On est parti pour un PO les amis. On est parti. Allez, toujours là en quête de notre premier succès. Non. Ah là 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 là. Allez, allez, allez. On désespère pas. On a cette fois-ci une chance. Très jolie, voilà, celle-là est en 25 de pouce, 79-39, il manque 9 de vita pour un PO. Yes, les gars! Ah! On l'a fait! Let's go! Oui! Et c'est sur un superbe item, les gars, vraiment très très cool! Je pense que ça tombe sur l'un des meilleurs items qu'on aurait pu espérer. Donc ça, je suis super content. Heureusement que... Enfin, franchement, c'est cool parce qu'il y avait l'autre qui était en 24 dopou. Yes! On l'a fait, je suis soulagé, les gars. Et bah, du coup, on sortira pas avec rien. Et ça, c'est la super bonne nouvelle. Yes! Yes, les gars, c'est pour vous. Merci pour votre soutien. C'est grâce à vous. Bon, nickel, ça va. Nickel, nickel. Allez, bah maintenant, on go espérer le deuxième pour essayer de faire un peu de bénéfice. Je sais pas du tout, niveau dépenses, hein, comme je disais. Voilà, on peut pas compter, c'est trop dur à compter, mais c'est vrai que ça a coûté très très cher. On va plutôt continuer sur de la PO, je pense, pour les ménotures, ouais. On peut faire ça en PO. J'aurais pu faire les palmes en PO aussi, finalement, mais bon. Du coup, bah allez, fou, regardez comme elle est jolie. 2% terre, 1 PO, 9 de vita en moins, 1 de sagesse, 1 de faux. Franchement, très très clean. Modifié par Cheese, bah voilà. Frofro qui a la signature sur cette très bel item. Je crois que c'est lui, du coup, qui a fait cette ceinture en 2%. Donc, bah nickel, nickel, nickel. On continue avec les ménotures. Le deuxième exo d'affilée, lol. Celle-là, bon. Les ménotures sont pas très jolies en plus. Dommage, là, en 3%, j'aurais validé pour une tenta PO encore. Donc, c'est des simples 2%, il manque 1 de sagesse. 7 de vita là-dessus. Non. Allez, on quête de notre deuxième, les gars. On y croit. Là-dessus, il manque 3 d'agi, 2 de sagesse, 5 vita. Pas insane non plus, ce G. Les ménotures, elles étaient pas ouf. C'est pas grave que ça passe pas. On enchaîne, du coup, là, il reste quoi? Il reste la syntaxe et les botistiques pour finir avec le cordeau. Je suis soulagé, les gars. C'est bon. Je ne sortirai pas avec rien de cette vidéo.
Et maintenant, bah, c'est que du bonus. Donc, celle-là est très jolie, encore une fois. Un de sagesse 2, d'un tel 3 de vita en moins. Les soins, encore une fois, ne sont pas présents, c'est pas grave. Non. Et pour finir, la Saint-Assez avec le corps dommage. Manque 2 de sagesse, 4 vita. En vin d'ocri, évidemment. 2 pour Santerre. Et le PO ne passe pas. Bon, on a tout tenté, c'est bon. On a notre très belle ceinture genre, ça fait plaisir. Ça fait super plaisir. On y va pour le joyau, du coup, on a des très belles tentas. Et on a un item que je veux voir passer, les gars, c'est cette amulette. L'amulette du cœur saignant, on a des 2% NP très très clean. On les aura bientôt, juste après. On va commencer avec une très jolie tenta, un collier tourton. Alors, c'est du 3%, c'est juste la force qui fait un peu de tâche. Du coup, on s'est dit, bon, on va valider pour... cette vidéo là, ça serait quand même très clean, honnêtement, avec un 3%, de rajouter le PO, il manque 2 de sagesse, 3 de vita, sinon c'est vrai que la force est un peu tâche, mais je le prendrai quand même vraiment avec plaisir, très honnêtement. On est parti, pour le PO, ça ne passe pas, tu sais, je regarde bien ici, genre, non, ici même, pour voir si le PO ne peut pas, mais non. Du coup, le pendentif affamé, celui-là est quand même bien joli, 2 de vita, enfin 1 de vita, 2 d'intel, 1 de sagesse. Bon, c'est vrai qu'il y a la muette volcan qui vient concurrencer, mais vu la tête du G, ça ferait quand même bien plaisir. On est parti, ça ne passe pas. L'amulette chocotte, ah, d'ailleurs, on aura une amulette chocotte G-Perf pour une invo en plus, peut-être, ça serait très clean. Celle-là, bon, elle est jolie aussi, hein. Elle est pas ouf ouf ouf, hein, 2%, il manque 2 de sagesse, 4 de vita. Pas de double invo, dommage. Là, l'attentat qui me ferait super plaisir. On en aura deux sur les amulettes du cœur saignant. Regardez, il manque 2 de sagesse, 1 de vita, 4 points de force. Celle-là aussi est en 4 points de force. Ouais, c'est trop beau. Trop trop beau. D'ailleurs, c'est le même G, les gars. C'est le même G. C'est fou, ça. C'est fou, c'est fou. Il y a juste la prospect qui varie, mais on s'en fout un peu de la prospect. Du coup, on est parti. 2% terre en plus du PO. Non. Ok, ok, la Volcorn, on en a une en 2% terre, l'autre est en 1% feu, pourquoi pas. Donc 4 intel en moins, 1 de vita. Non, ça va être dur d'aller chercher le dernier item, il reste plus grand chose, celle-là est en GPR. Amulette chocotte 3%, allez, allez, ça serait vraiment clean par contre. Ah, dommage, dommage, dommage. L'amulette du cœur saignant, la deuxième et la dernière. Et après, il ne restera plus qu'une amulette Volcorn, les gars. Deux tentas pour finir sur cette vidéo. Allez, c'est le moment ou jamais. Non, dommage, dommage, dommage. Et on va terminer, du coup, sur cette petite amulette Volcorn. Il manque 3 d'intel, 1 de sagesse et 3 de vita. Pour un petit 2% feu PO. Assez joli. Allez, la dernière tenta du coup. Et non, bon, 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 bon. On est sauvé par la Sainte Urgence. Sur 30 tentas, c'est déjà très honnête. Je m'en sors déjà très bien, honnêtement. Même si, au fond de moi, j'espérais forcément le double. C'est très, très, très bien. Donc, bah écoutez, voilà, les gars. Je suis soulagé. Vraiment, vraiment, là, c'est en mode soulagé. Ça passe sur un item qui est très beau. Ça aurait pu être sur une ménoture. J'aurais été un peu plus déçu, là, honnêtement. Très belle Sainte Urgence. Donc, bah voilà. J'espère que vous avez kiffé. On se refera sûrement ça. Enfin, non, je sais pas si on se refera ça, mais on se fera en tout cas les vidéos FM Exo% avec Mini. Voilà, on verra si on aura d'autres occasions de passer des 2%. Non, on en fait des tentas comme ça pour 100 PO, tout ça. Donc, voilà, les gars, n'hésitez pas à liker. Gros merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous découvrez la chaîne. Et puis, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.